Et bonjour tout le monde, on est parti sur une nouvelle édition du Duel des Champions. Ne serait-ce que ça, le Duel des Champions. Cette fois-ci, nous avons Pitou qui va jouer contre Zozo. Je vais vous montrer rapidement les profils. À dénoter qu'il y a une petite différence comparée à l'habituel. La petite différence, c'est que il y aura un ban. Il y a des bans globaux. Les bans globaux ont été choisis, donc Pitou a décidé de ban le géant royal et Zozo a décidé de ban le pêcheur. Le match est lancé entre les deux, je vous montrerai le profil après. Pitou va request à chaque fois, vu que c'est notre champion, il sera en bas. Nous sommes sur du BO5, je vous ai mis le score en bas à gauche de l'overlay. Il ne reste plus qu'à profiter, vous installer tranquillement et admirer le level de jeu entre les joueurs. Alors, premier mineur qui est envoyé de la part de Zozo. Sur un positionnement où on s'en fiche de la tornade, on part du principe qu'on n'aura pas de tornade. Donc, bat. Ok, Pitou. On attend de voir un petit peu hein, le reste du deck. Pour le côté Zozo, c'est probablement du ballon et côté Pitou, du ballon également, je pense. Sûrement un deck ballon de la part des deux joueurs, hein. Une espèce de ballon rapide, genre Pitou, ça peut être pardon, le MK ballon, et côté Zozo, ça va être du ballon rapide, simplement. Donc voilà, c'est bien ça, hein, le MK ballon, qui est, enfin en tout cas le MK qui est posé pour Pitou, les bases qui vont aller permettre également de défendre, le ballon qui connectera pas, et là on va devoir directement gérer le premier Mega Knight, on a la petite boule de neige qui s'ajoute. Est-ce que ça sera suffisant? Les squelettes qui sont très très bien positionnés par Zozo. Vous avez vu le positionnement, ça permet de gratter le Mega Knight et en plus ça permet de reprendre l'aggro de l'Infernal. Qui au final, le temps qu'il tue tout ça, il aura à peine le temps de toucher la tour. Il va retirer 50 HP à tout casser, même pas voilà, il va retirer 20 HP. Il a pas fait grand chose et pour l'instant, début de partie qui va mal pour Zozo. Il repart directement sur un ballon. Pitou, il a pas de réponse, il fait exactement la même chose. Là on est sur du pur trade tower, les bases qui sont utilisées pour aller gratter un peu le ballon. Mais quand le golem de glace va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Les bêtes vont prendre un tarif. Et oh, il a quand même la boule de neige. Oh, pas mal la défense de Zozo. Ah ouais. Ah d'accord. On en est là. Voilà, il a quoi? Du coup, il a plus le golem de glace. Il est obligé de défendre avec justement mini PK. Plus squelette. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Il prend 300 dégâts, mais il est tellement devant ici qu'il s'est mis extrêmement bien. Là, il a certes son bâtiment qui a 1100, mais lui, il va pouvoir déjà repartir sur les poches de l'autre côté. Le Mega Knight, il va devoir le défendre justement avec mini PK, potentiellement golem de glace. Enfin, ouais, golem de glace. Donc là, Mega Knight qui est mis en fond de map. Il repart cash à gauche. Il essaie d'aller plus rapidement sur le roi, mais il a raison. Hein. Il a déjà mis le bâtiment à 2100, donc ça fait énormément de dégâts. On va devoir mettre une boule de neige défensive pour Pitou. La boule de neige défensive qui est utilisée. Mais je crois que le ballon va quand même aller connecter. Hein, et du coup, on se prend énormément de dégâts. Hein. Le ballon, c'est 272 dégâts en mort. Le kite qui est très propre de la part de Zozo. Il a également le mini PK en main. Il a sa mousquetaire aussi. On décide de juste remettre la musky. C'était pas la meilleure mousquetaire hein, de la part de Zozo. Du coup là il va se reprendre un tarif, il est obligé de remettre un golem de glace. Son push évidemment va se faire arrêter assez facilement ici de la part de Pitou. Je me demande si cette mousquetaire ne lui a pas coûté assez cher. Là on renvoie un push à droite avec le ballon. Pour l'instant là les gobelins sont en train de mettre super cher sur la tour. On est obligé de gérer le Mega Knight avec mini PK, mais ça devrait suffire. Faut quand même faire gaffe hein. Parce que là, du coup, il perd la tour, il va se refaire gratter un peu le roi, mais ça encore, c'est pas très grave. Mais ce qui peut être dangereux, c'est que Pitou, il peut aller très très vite prendre l'autre tour. Et au final, l'avantage qu'il a pris Zozo, il peut le perdre sur une simple mousquetaire qu'il a perdu. Il me semble qu'en plus, il avait récupéré son mini PK à ce moment-là. Donc ça serait vraiment une grosse erreur. Dans tous les cas, la mousquetaire qui est partie seule à droite, qui l'a forcé à faire un push, mais qui a pas servi à grand chose, qui pouvait être facilement défendu en face, c'était clairement pas la folie. Il va falloir faire gaffe hein, au ballon de la part de Pitou. Et voilà, justement, le ballon qui est envoyé pour Zozo. Boule de neige qui a ajouté, mais qui prendra pas l'infernal. Et là on va devoir gérer l'Infernal, en face il y a le ballon hein, pour Pitou. Ouais, le ballon qui est envoyé. Là on va devoir le gérer avec les battes et compagnie. Donc les battes qui sont mises instantanément sur le ballon. On rajoute une mousquetaire. Je suis pas sûr qu'il ait recyclé sa boule de neige. S'il l'a par contre le Mega Knight qui connecte. Le ballon il a pas le droit de connecter, mais c'est bon, il connectera pas. Oh, c'est tellement chaud. C'est tellement chaud et l'Infernal il va faire mal aussi hein. L'Infernal il va mettre le bâtiment à 300. Donc là on est à une mort de ballon. Boule de neige de finir. Si le ballon meurt, juste meurt sur le bâtiment, c'est perdu. Ok, c'est bon, il y a la boule de neige. Par contre, il y a le mineur hein, qui va les connecter. Deux coups de mineur et c'est fini. Oh, Zozo, il est pas bien. Hein. Pour recycler aussi deux boules de neige, on peut imaginer ça, mais il va devoir les utiliser défensivement. L'Infernal qui est utilisé de la part de Pitou, également le gang de Oblin qui est très bien mis sur ce mineur. On va juste mettre une boule de neige, mais ça ne suffira pas. Hein. Là, c'est quasiment sûr, c'est la victoire de Pitou. Boule de neige qui a rajouté et Pitou qui prend le match. Alors que Zozo, il était tellement bien. C'est quoi ce premier match, les amis? C'est quoi ce premier match? C'est parti. Pitou contre Zozo, le deuxième match. Pour rappel, c'est du BO5, donc c'est le premier. Sur 3 victoires, on est sur des joueurs exceptionnels, sur des gros joueurs.
A dénoter que vous me demandez aussi également beaucoup comment participe. Il va y avoir un tournoi pour sélectionner les prochains joueurs dedans. Là, ce sont des joueurs qui ont été utiles du dernier tournoi. Donc voilà, vous suivez Discord, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Pendant que là, Pitou il est en train de faire extrêmement mal, hein. Sa mini PK va permettre de prendre la tour de droite. Il va falloir réussir à défendre. Zozo a mis que 2 d'élixirs pour défendre. Donc Zozo est clairement parti sur du Molosclone. Ça va mettre un bébé dragon derrière, hein, pour aller gérer les battes, également la machine volante. Et là ça peut être très compliqué, hein. Zozo il peut très bien mettre également un clone, mais ça va être fou au final, hein. Enfin si c'est pas mal, ça fait quand même cher. Dans tous les cas il a eu raison de cloner. Mais il est quand même un petit peu derrière parce qu'il y a l'archer magique. Il y a 3 Nelex d'avance par Pitou. Pitou il a déjà aussi quelques globes de glace. Il peut potentiellement décider de le mettre. Oh, il part en cauchemar Yo, c'est très bien joué. Ça va armer de squelette. Ah oh, non. Oh la version barbare, dur. Je pense qu'il s'y attendait pas, hein, que ce soit une version barbare. Je pense qu'il s'y attendait à armer de squelette. C'est pour ça qu'il a mis armer de squelette ouvrant. En tout cas, c'était très bien joué de la part de Pitou. Vous pouvez voir les dégâts de l'archer magique. Hein. C'est 111 dégâts, hein, pour rappel, l'archer magique sur la tour. Là, l'archer magique, il va pouvoir rajouter 3 coups. Encore un coup, un deuxième, un troisième. Sachant qu'il a encore remis un coup sur le barbare. 444 dégâts. L'archer magique, là, il a mis énormément de dégâts. Et il repart très agressivement parce qu'il sait très bien qu'il n'y a plus de réponse simplement en face. On a plus les barbares, donc on joue barbare et armer de squelette. Okay. Parce que des fois, il y a des versions avec barbare, bûcheron. En gros, les 3 cartes qui sont possibles d'avoir dans ces decks-là, même 4, c'est Garde, Armée de Squelette, Barbare, Bûcheron. Des fois, ça va être les 2 grosses cartes qui sont chères, Bûcheron, Barbare. La plupart du temps, ça va être Bûcheron, Armée de Squelette. Et des fois, voilà, ça varie. Donc, en tout cas, c'était un petit peu différent cette fois-ci. Ça jouait quand même l'Armée de Squelette, mais il a réussi à passer. Hein. Il a renvoyé les cochons, très agressif. Il sait très bien que dans tous les cas, lui, il a pas un deck pour réussir à défendre vraiment les pêches en face. Faut qu'il soit super agressif. Hein. Là, il a réussi à mettre assez cher sur le roi également. Ce qui peut être dangereux, c'est de réussir à mourir sur un push. Là, il va pouvoir faire une belle boule de feu. Je pense qu'il va le faire, hein, dès que ça tombe. Là, il va faire une grosse boule de feu. Très, très bien joué de la part de Pitou. Oh là là, il perd même pas la tour. Oh, Pitou. Pitou, mais qui s'envole d'une force vers le 2-0. Incroyable. Ah, mais il joue tellement bien, là, Pitou. Mais il est dopé, hein, c'est incroyable. La bûche qui est remise pour les gratter des barbares, même si là, on sait très bien qu'il n'y a pas encore l'armée de squelettes qui est remise en face. Dans tous les cas, on va pouvoir reconnaître. Mais vous avez vu, hein, l'arche magique qui a encore remis 2-3 patates sur la tour en face. 333 dégâts, l'arche magique. Hein, une carte extrêmement badass, l'arche magique. Armée de squelettes qui est obligée d'être posée, mais encore une fois, hein, l'arche magique qui clean tout ça. Là, on n'a plus rien pour aller empêcher la mini PK d'aller connecter, simplement. Donc, mini PK va aller mettre un coup sur la tour. On est obligé de remettre les barbares à l'arrache, mais on se fait quand même gratter le roi. Et Pitou, il joue bien. Il laisse pas l'adversaire respirer. Il attend pas chez lui. La Zozo, il recycle un clone offensif parce qu'il sait très bien que. Bah c'est fini en fait, simplement, il pourra pas passer, il pourra pas prendre 2 tours sur le temps qui reste, et que Pitou, dans tous les cas, a très très bien abordé le match-up. Il y a rien à dire, c'est super propre, et j'adore ce timer semi-transparent. Je pense que je vais le redire plusieurs fois, mais j'adore ce timer, franchement, il est énorme. Je suis tellement content qu'il ait mis en semi-transparent le timer. Un truc qui prend plus tout l'écran, qui bug pas le reste, c'est vraiment génial. 2-0 pour Pitou, GG à vous deux. Allez, on est parti pour le troisième match. J'ai super hâte de voir si Zozo va réussir à remonter ou est-ce que Pitou va encore refaire une prestation impressionnante. 2-0 pour le moment, il se met extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il a 3 balles de match. Vous vous rendez compte, 3 balles de match. 3 matchs où s'il gagne, il emporte le BO5. C'est vraiment un énorme avantage qu'il a ici, l'ami Pitou. Donc, mousquetaire qui recycle les fonds de map. De la part de Zozo, on part directement au ballon. On essaie de punir cette mousquetaire. Est-ce que ça joue une MG ou quelque chose comme ça pour Pitou? Non, on est sur une version mortier cochon, très probablement. On rajoute justement une boule de neige. Très, très bien joué, hein, la boule de neige de Pitou. Et il connecte un coup de mortier en plus. Donc, il a réussi à mettre 220 dégâts. Le ballon n'ira même pas toucher sa tour. Il touchera peut-être la mousquetaire, même pas. Incroyable, franchement c'est très très bien joué ce qu'il nous a fait Pitou. Là il va pouvoir kiter 1000 PK ou juste défendre au bat, hein. C'est très très bien. Même si on met une boule de neige, là elle est trop tardive par la boule de neige de Zozo, c'est dommage. Et on repart cash en Valkyrie cochon. Il va réussir à coller quelques dégâts, je pense pas qu'il mettrait une boule de neige, de toute façon il a pas encore recyclé. Il met quand même 2 coups de cochon, très agressif de la part de Pitou. Mais ça passe bien, par contre le mineur là qui est bien envoyé de la part de Zozo. Parce qu'on a les battes, on est obligé de mettre une boule de neige, on est obligé de regérer la mousquetaire. Mais vous avez vu en fait, du coup il a dû claquer boule de neige, il a dû claquer patte. C'est-à-dire que le prochain ballon de Zozo, ça va être très très dur de s'en sortir contre. Il va devoir remettre une mousquetaire, il va devoir remettre un mortier. Encore là, il a du coup mortier pour détourner, mousquetaire. Il a quand même un deck où il a quand même plusieurs options pour aller gérer ça, Pitou. En plus, il a un gros sort. Je crois que c'est séisme, le dernier sort de la part de Pitou. Je suis pas tout à fait sûr. Il y a des versions qui jouent roquette, d'autres qui jouent séisme. Donc je suis pas 100% sûr. On va vite voir, hein, de toute façon. Donc cette fois-ci, la robe est partie avec la Valkyrie, hein, pourtant qui est devant la mousquetaire. C'est très bien joué. Mousquetaire qui est également posée de la part de Zozo. Boule de feu. Et ben voilà, on a la réponse. C'est ni séisme, ni roquette. C'est la boule de feu. Donc là, il a récupéré boule de neige. Il a récupéré les battes également, si Zozo décide de renvoyer un push. Par contre, il y a un golem de glace devant. Ça peut être embêtant, parce que les battes...
Les battes, ça marche pas si bien que ça, hein, évidemment, contre le golem de glace. Mais il pourra déjà toujours détourner au mortier. Là, c'est sûrement ce qu'il va. Non, il va partir en bas parce qu'il n'y a pas de golem de glace. C'est très bien joué. Par contre, voilà, on a la boule de neige qui est envoyée de la part de Zozo. On a toujours le mineur qui est sur la tour. On est obligé de renvoyer un mineur, un mortier. Mais le mortier va évidemment prendre un sacré tarif. Le ballon devrait quand même réussir à connecter un coup. Il est obligé de mettre une mousquetaire. C'est bien joué. Hein. Super bien joué ce qu'il vient de nous faire ici, Pitou. Donc là, on repart à droite. Mini PK à ballon. Comment on gère ça? On a des squelettes. On est obligé de remettre une boule de feu en plus, mais c'est compliqué. Hein. Le push qui est vraiment bien envoyé de la part de Zo ici. Est-ce qu'on remet un mortier? Non, mais juste la boule de neige, ça suffit. Oh là là là, mais Pitou qui le refait quoi. Il reste plus que 27 secondes et Pitou il est encore une fois tellement bien. S'il arrive à gérer encore une fois cette mini PK, il se met bien. La mini PK qui perd 3 coups à aller taper justement sur les petits squelettes, qui maintenant se met au milieu des deux tours. On a toujours la Valkyrie, on a réussi à les battre, mais on sait très bien qu'on a encore la. On a encore la mousquetaire, on a encore la boule de neige, on a encore la boule de feu. Voilà, c'est sûr, Zozo il. Bah, il peut plus. Simplement, il passera pas hein, dans le temps restant. 3-0 pour Pitou, mais c'est impressionnant. Je vais venir tout de suite les joueurs en vocal pour faire un petit débrief de fin. Je vous invite à rester parce que c'est toujours très intéressant ces moments-là. On se retrouve tout de suite. On se retrouve. Désormais, on a les deux en vocal. On a Zozo et Pitou sur le vocal. Déjà, merci à vous deux d'avoir rejoint le vocal. Évidemment, il y a eu un petit 3-0. Voilà, un petit 3-0 qui est passé entre les deux joueurs. Je vous propose qu'on parte match par match et on fait chacun votre tour, votre débrief du match en commençant par Zozo et après celui de Pitou. Est-ce que ça vous va? Vas-y, pas de En soucis. mode rapide. Ok, donc le premier match avait opposé la version ballon rapide mini PK de la part de Zozo au Mega Knight ballon pour Pitou. Sur les poches du ballon, c'est vraiment kiff-kiff, genre dragon de l'enfer, t'as une mousquetaire. Après le dragon de l'enfer, t'es vraiment obligé de mettre une boule de neige, alors que moi, quand tu mets une mousquetaire, je peux espérer que ça passe. Donc. Ouais, je pense, ouais, j'ai léger match-up. J'ai fait quelques erreurs, ça le truc, mais Ouais, t'as bien bon, vu. je pense que t'aurais pu la win parce que j'avais quand même moi aussi mal joué au début quand je jouais avec ma tour à 800 PV alors qu'il restait 20 secondes. Ouais, Ouais. C'était assez. c'est clair. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal joué sur le moment où Zozo il a raté la mousquetaire pour gérer le Mega Knight. Et il me semble d'ailleurs qu'à ce moment-là, Ouais. t'avais mini PK en main. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi t'avais Musk. Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Je sais pas. Mais bon, J'ai en tout cas, oublié. ouais, Zozo était pas trop mal, mais il a un petit peu raté. Le second match, c'était le Molotov clone de la part de Zozo qui avait sorti le beau jeu contre Pitou qui est parti sur la version archimagique Cochon Royaux qui est super agressive. Bon, je pense que là, il n'y a rien à dire, hein. J'ai hard counter, pour moi, tu passes jamais. Hein. Après, il a bien sur le début, je trouve Pitou, il a bien joué parce qu'il a pas envoyé un push cochon royaux, sinon je pense j'aurais armé de squelette ou barbare et j'aurais pu bien défendre. Il a envoyé mini PK. C'est Ouais, sûr dis-moi. que le temps que tu mets tes barbares, en fait, je vais mettre une boule de feu ou même armée de squelette. Après, la bûche est assez rapide, donc l'armée de squelette, ce serait peut-être à faire un peu défoncer. Mais en Ouais. début de game, comme ça, c'est vachement dur pour toi. De toute façon, voilà, pour moi, l'archer magique dans ce match-up-là est inatteignable. Hein. C'est comme si tu mettais une princesse. Enfin, l'archer magique est encore plus fort qu'une princesse dans ce match-up-là, donc pour moi, tu peux rien faire. Le dernier match, alors du coup, qui a opposé le ballon rapide de la part de Zozo au bon deck, tu affectionnes pas mal, Pitou, le mortier et cochon. Ouais, j'apprécie plutôt bien, ouais. Là, je pense que le match pour Pitou. En vrai, ça se discute, hein, parce que. Après, pour que t'avais quand même bien joué, à chaque fois, tu mets squelette ou golem de glace, mini PK pour mon cochon, enfin, squelette ou golem de glace pour la Valkyrie, et mini PK pour le cochon. Ouais, Je pense que t'as quand même bien joué. je suis d'accord. Après, je pense que c'est ce qui m'a fait perdre, c'est que à un moment j'ai laissé la tour de droite et j'ai attaqué tout à gauche. Ouais. C'est vrai que je Puis suis j'ai pas assez compris. léger en aérien, après, j'ai boule de neige plus Bah, boule t'as de quand feu. même boule d'air, plus batte, plus boule de feu, plus mortier pour détourner, quoi. Sur le papier, on pourra trouver que je suis léger, mais après j'ai le mortier aussi pour détourner. Les Vas-y. Abomini, tu les utilisais souvent assez offensivement, par exemple pour ramener le ballon, pour le regérer, enfin c'était. Ouais. Ouais, il a bien joué. Après, sa BDF, sa boule de neige, généralement. Ouais, c'est violent, ça en fait du pushback. Hein. Et même s'il rate avec la C'est boule de neige, il a toujours la boule de feu en retard. Enfin, moi je trouvais ça hallucinant, je me dis putain, mais il cycle à chaque fois sur quelque chose, c'est super dur hein, ici à réussir à défendre. ça. Ouais, après, il a très bien joué, donc. Carrément, carrément. Et C'est bah pas en tout cas, difficile. félicitations à toi, Pitou. Hein. 3-0, c'est impressionnant. T'as montré un gros niveau de Merci. jeu. Donc bah du coup, C'est déjà tu restes notre champion pour cette édition. Merci beaucoup à Zozo d'être venu tenter sa bon. chance contre Pitou. Bah du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou à rejoindre le Discord. On refera un tournoi pour justement voir lesquels joueront contre Pitou dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à venir un petit peu suivre tout ça. Je laisse juste le mot de la fin à Pitou et Zozo. Et ben moi je souhaite bonne chance à Zozo pour la suite, parce que Merci il y a Pitou. moyen de faire quelque chose.